dans Rides. On va chanter. On va rigoler. On va jouer. On va s'amuser. On va danser. Ouais. Wouhouhou. Bonjour mes enfants, je suis devant la mairie du village. Ah, voici Maurice. Comment va Maurice ? Bah, ça va bien. Bonjour les enfants. Henri, ouais. Quand je vous ai vu regarder les panneaux de la mairie, moi je me suis dit, oh, si Henri regarde les panneaux, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant dessus. Ah oui, il s'agit du grand concours intercommunal de photos. Oh, un concours de photos ? Bah, c'est pas mon rayon ça. Voyons voir. Participer au concours de photos qui aura lieu à la mairie. Ben, c'est quoi le thème ? Les bébés. La plus belle photo de bébé gagnera le prix offert par Madame le maire. Ouais. Un voyage à la mer, justement. Ah ben, dis donc, ça vaut le coup. Dommage que j'ai pas d'appareil photo. Ah oui, mais j'en ai un. Ben, mais j'ai pas de bébé non plus. Ah ben... Mes enfants, ils sont déjà grands. Ah oui, oui. Henri. La chanson d'Henri Dess. Tous à la page 6 pour chanter avec Henri Dess. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je faisais pipi popo ailleurs que dans mon pot. Que je faisais pipi popo ailleurs que dans mon pot. Que je tirais les poils du chien sans qu'il ne dise rien. Que je tirais les poils du chien sans qu'il ne dise rien. Que j'étalais ma purée partout sur la télé. Que j'étalais ma purée partout sur la télé. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je versais mon cacao sur les touches du piano. Que je versais mon cacao sur les touches du piano. Que je mettais des petits pois dans la poche à papa. Que je mettais des petits pois dans la poche à papa. Que je me traînais dans la boue parce que c'était plus doux. Que je me traînais dans la boue parce que c'était plus doux. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je me baladais tout nu devant des inconnus. Que je me baladais tout nu devant des inconnus. Que je laissais tomber les clés au fond des cabinets. Que je laissais tomber les clés au fond des cabinets. Que je pleurais en pleine nuit pour vous tirer du lit. Que je pleurais en pleine nuit pour vous tirer du lit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que vous m'embrassiez beaucoup malgré tout, malgré tout. Que vous m'embrassiez beaucoup malgré tout, malgré tout. Que j'aimerais bien quelquefois retrouver ce temps-là. Que j'aimerais bien quelquefois retrouver ce temps-là. J'étais si bien contre vous quand j'avais peur du loup. J'étais si bien contre vous quand j'avais peur du loup. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Petit, tout petit, tout petit, petit, tout petit. Rends-toi à la page 8 pour jouer avec nous. Mademoiselle Valentine, apprenez-nous une comptine. Tu peux t'aider des petits dessins pour trouver les rimes qui manquent. Bébé va bientôt naître. Maman lui prépare ses petites affaires pour quand il sera né. Veux-tu l'aider ? À toi de trouver la fin du mot de toutes les choses qu'elle met dans la valise. Pour les bavouillis, deux petites bas. Vette. Pour laver bébé, un gant de toit. Lette. Et pour le sécher, une petite serre. Viette. Puis pour l'habiller, une salope. Pète. Pour les petits pieds, trois paires de chaussures. Sept. Et pour les balades, une belle poux. Sept. Et si on jouait ? Salut. Coucou. Salut, c'est moi. Salut. Qui je suis ? C'est moi. Devine qui c'est ? Devine qui je suis. Qui je suis ? Devine qui c'est ! Écoute bien. Tu vas entendre quelqu'un parler. À toi de deviner qui est ce mystérieux personnage. Je suis un lapin, un ours ou bien un chat. J'adore les câlins, les bisous et les bras. Tu m'emmènes partout, au jardin, chez tata. Et puis au dodo, tu t'endors contre moi.
Maman me trouve sale. Il voudrait me laver. Toi, tu ne veux pas. Tu te mets à pleurer. Qui suis-je? Alors, tu as deviné? C'est le chéri des tout-petits. Le doudou, bien sûr. Et si on chantait? Les paroles de cette chanson sont à la page 9. Tu peux chanter avec nous. Henri et Maurice cherchent un bébé à photographier afin de pouvoir participer au concours. Oh, on n'en trouve pas des bébés, hein? On est allé à la crèche, mais ils dormaient tous. Eh oui. Il y en a bien un qui était réveillé, mais il pleurait tellement qu'on lui voyait même plus ses yeux. Ça aurait même pas fait une bonne photo. Mais où est-ce qu'on pourrait bien trouver un bébé? Ah, Henri, il se fait tard maintenant, hein? Eh oui, et il faut remettre les photos demain, dernier délai. Oula, c'est cuit. Je la sens mal, notre affaire, là. À moins que... À moins que quoi? Ben, c'est une idée toute bête qui vient de me trouer la tête. Oh là, trouer la tête! Ne me dites pas votre idée tout de suite. Laissez-moi d'abord raconter aux enfants une histoire de bébé. Écoutez bien. Raconte-nous une histoire, Henri. Va à la page 10 pour suivre cette belle histoire. Attention. Quand tu entendras ce petit bruit, tourne la page. Destination parents. Au début, j'avais du mal à voir autour de moi. Tout était un peu flou. Et j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Et c'était presque ça, puisque je me trouvais dans un nuage. Mais attention, ce n'était pas n'importe quel nuage. C'était celui d'où partent les bébés qui vont bientôt naître. D'ailleurs, à certains endroits où le nuage était moins épais, je pouvais apercevoir d'autres bébés comme moi, attendant chacun leur tour pour prendre place sur la cigogne qui allait les emmener chez leurs futurs parents. Mes parents, à moi, allaient s'appeler Jean et Julie. Jean et Julie gentils. C'est un peu pour ça que je les avais choisis dans le grand livre des parents. Je me disais qu'avec un nom pareil, ce serait forcément un gentil papa et une gentille maman. En pensant à tout ça, je finis par arriver à la lisière du nuage exactement là où la cigogne devait venir me chercher. Mais curieusement, un autre bébé était déjà assis sur le bord, juste à la place qui m'était destinée. « Bonjour, toi aussi tu attends pour partir chez tes parents ?» lui ai-je demandé poliment. « Bien sûr,
me répondit-il avec un sourire. « Tu sais, nous sommes tous là pour ça. » « Oui, évidemment, lui dis-je, un peu gêné. Mais toi, là, tu es assis à ma place. » « Ça m'étonnerait, reprit-il, très sûr de lui. J'ai bien regardé dans le grand livre des parents, et pour ceux que j'ai choisis, l'embarquement est ici. » J'allais pour lui répondre qu'il avait sûrement dû faire une erreur, vu que c'était pour mes parents à moi qu'on embarquait de cet endroit, quand tout à coup, la cigogne, ma cigogne, surgit de dessous le nuage dans un immense froissement de plumes blanches et noires. Pour monsieur et madame Gentil, embarquement immédiat. C'était pour moi. Mais au même moment, voilà l'autre bébé qui se lève et marche droit vers ma cigogne. « Hé toi !» je lui ai crié. « C'est mes parents à moi dont il s'agit. Attends ton tour !» Mais c'est mon tour. Monsieur et madame Gentil, ce sont mes parents à moi, me dit-il en me montrant son grand livre des parents, tandis que j'ouvrais le mien exactement à la même page. Il fallut alors nous rendre à l'évidence, nous avions choisi les mêmes parents. « S'il vous plaît, madame la cigogne, comment ça se passe dans ce cas-là? C'est vous qui choisissez lequel de nous deux, monsieur et madame Gentil, auront comme bébé ?»« Pas du tout. C'est à vous de décider. Bien sûr, le plus simple serait que l'un de vous choisisse d'autres parents dans son grand livre. Ou alors ? Ou alors quoi ? Ou alors, je vous emmène tous les deux. » Mais je vous préviens, vous serez obligés de rester serrés l'un contre l'autre durant tout votre voyage vers la naissance. Ça risque de ne pas être très confortable. Enfin, c'est à vous de voir. Ah, c'est tout vu ! Lui avons-nous répondu ensemble. Et c'est ainsi que 9 mois plus tard, Jean et Julie Gentil eurent des jumeaux, mon frère et moi. Mais aucun de nous deux n'a jamais raconté cette histoire à personne. D'ailleurs, personne ne nous aurait cru. Il n'y a que les tout petits bébés comme nous qui se souviennent encore que ce sont eux qui ont choisi leurs parents. Avez-vous bien écouté? Voici 3 petites questions très faciles. Les réponses sont à la page 14. Les questions d'Henri. Première question. D'où partent les bébés qui vont bientôt naître? Deuxième question. Qui apporte les bébés à leurs futurs parents? Dernière question. Comment s'appellent le papa et la maman des deux bébés? Vous avez trouvé toutes les réponses. Bravo! Et maintenant, encore une chanson d'Henri! Tous à la page 15 pour chanter avec Henri Dess. D'abord, il y a la petite graine à papa qui va dans maman gentiment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et 9 mois après, tu es prêt. Et on te dit, je t'aimerai toujours. Et on te dit, je t'aime, notre bébé d'amour. Tu bouges beaucoup. Tu donnes des petits coups, ça n'est pas méchant pour maman. Mais tu tournes en rond, tu trouves le temps long, tu frappes à la porte, faut que tu sortes. Et on te dit, je t'aimerai toujours. Et on te dit, je t'aime, notre bébé. Préparé pour ton arrivée, le monde t'attend en chantant. Et
jour après jour, tu deviens plus lourd. Maman s'arrondit, tu grandis. Et on te dit, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit, je t'aime, notre bébé. Deux petits petons tellement mignons, deux menus menottes qui gigotent. Et te voilà là, et on n'y croit pas, t'es notre plus beau des cadeaux. Et on te dit, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit, je notre bébé d'amour. Tu pleures et tu cries, c'est comme ça la vie. Nous aussi on pleure de bonheur. Tu pleures et tu cries, c'est comme ça la vie. Nous aussi on pleure de bonheur. Et on te dit, je t'aime, je t'aimerai. Et on te dit, je t'aime, notre bébé d'amour. Maurice a emmené Henri dans sa ferme. Mes enfants, je vais vous raconter l'idée qu'a eue Maurice. Ben, pourquoi c'est vous qui le dites? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Vous avez raison, Maurice, allez-y. Henri était tristouné. Ouais, c'est vrai. Il trouvait pas de solution pour son histoire de photo de bébé. Exact, Maurice. Alors tout à coup, j'ai dit comme ça, Henri, votre panneau, il disait concours de bébé. De bébé, d'accord, mais il précise pas de bébé humain. Il précise ou il précise pas, hein? Il ne précise pas. Ah ben s'il précise pas, alors c'est pas forcément des bébés humains. Ça peut être des bébés animaux. Venez, j'ai ce qu'il vous faut. Allez, on va prendre mon échelle. Votre échelle? Pourquoi faire? Oh, laissez-moi faire. Allez, on monte au grenier. Au grenier? Et pourquoi faire? Comment pourquoi faire? À partir de maintenant, on se parle doucement, Henri. D'accord. Pourquoi? Mais si on vous le demande, vous direz que Maurice vous l'a pas dit. Vous êtes pas vexé, hein? Il faut bien rigoler un peu. Hein? Oui, il faut bien. Merci, Henri, merci. Et si on jouait? Tous à la page 19 pour jouer avec nous. Voici le jeu de tous les sons. Dès que tu entendras un son, montre avec ton doigt l'image qui lui correspond. Écoute bien, voici des cris de bébés animaux. Saurais-tu les reconnaître? Ouvre grand tes oreilles, voici le premier bébé. J'ai quatre pattes, une queue et des moustaches. C'est le chaton, le bébé chat. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore dans un œuf. C'est le poussin, le bébé de la poule. Oh, je suis tout rose avec une queue en tire-bouchon. C'est le porcelet, ou si tu préfères, le petit cochon. Je suis tout fou et je cours partout pour jouer avec toi. C'est le chiot, le bébé chien. Ma maman a une barbichette et des cornes pointues. C'est le chevreau, le petit de la chèvre. Et si on jouait? Allez, place à la danse! La venue d'un bébé, c'est une longue histoire. Tous en piste pour raconter cette aventure en gestes et en musique. Youpi! Maman attend un bébé. On saute partout comme des fous, on lève haut les bras et on crie youpi! Maman a un ventre de plus en plus gros et elle marche en se balançant. On fait un rond avec ses bras devant son ventre et on marche comme un pingouin. Le jour où on voit le bébé pour la première fois, on le prend dans ses bras et on lui fait plein de bisous. Un bébé, ça donne beaucoup de travail. On tourne des cuillères dans les marmites,
tourner, tourner. Et on lave des petits habits toute la journée. Frotter, frotter. Et puis, pour endormir bébé, on le berce contre soi. Dos, 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 dos. Chut! Ça y est, il s'est endormi. Henri et Maurice installent une échelle pour grimper au grenier. Regardez là-bas, au fond du grenier. Mais où? Là-bas, dans le coin. Où? La chouette et ses petits. Oh, des bébés chouettes. Oh, comme c'est chouette. Ben oui, mais Motus, je n'ai jamais dit à personne que j'avais une chouette dans mon grenier. Ah bon? On ne doit pas la déranger, hein. C'est une espèce protégée. Ah oui, je sais. Ça fait des années qu'elle niche dans mon grenier. Faudra pas le dire, hein. À personne, hein. Promis, juré. Regardez ça. Regardez la maman chouette. Elle est en train de gaver ses petits. Gaver? Ben oui, de leur donner à manger, quoi. Bon, alors je photographie. Voilà. Alors là, là et là. Deux ou trois photos, pas plus. Allez, ça suffit, on redescend. Je veux point trop déranger la chouette et ses petits. D'accord. Allez, on déménage. Allez, merci Maurice. Il était une fois... À la page 20, retrouve ce conte en images. Attention, quand tu entendras ce petit bruit, tourne la page. Poussette, d'après un conte d'Andersen. Il était une fois une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, elle découvrit au cœur d'une superbe tulipe une petite fille, pas plus haute qu'un pouce. Ravie, la femme murmura « Tu t'appelleras Poussette. Je ferai ton lit dans une coquille de noix avec un pétale de rose comme édredon. » Une nuit, alors que Poussette dormait à poings fermés, un crapaud très laid s'empara de la coquille de noix, l'emporta et la déposa sur une large feuille de nénuphar au milieu du ruisseau. Lorsque Poussette se réveilla le matin, elle vit le crapaud en compagnie de son fils. Le crapaud dit à la pauvre petite « Voici ton mari !»« Quoi ? Quoi ?» fit le fils. La fillette se mit à pleurer. Pour sauver la charmante Poussette de ce mariage, des poissons coupèrent la tige du nénuphar qui fut emportée par le courant. Du haut des airs, un hanneton aperçut la fillette voguant sur le ruisseau. Le gros insecte descendit vers elle, la saisit entre ses pattes et la déposa sur une fleur de marguerite. Poussette vécut seule tout l'été près d'un grand arbre. Elle se tressa un lit de brins d'herbe et se nourrit de pollen. L'automne vint ensuite, puis l'hiver. Transie de froid, la petite fille s'enveloppa dans une feuille morte et se pelotonna contre la porte de la maison d'une vieille souris des champs. « Rentre vite pour te réchauffer !» s'exclama la souris. « Reste avec moi, tu me conteras des histoires !» Et la vie reprit. Chaque jour, la souris recevait la visite de son voisin, Monsieur Taupe, qui tomba bientôt amoureux de Poussette. Il l'invita à visiter sa demeure. Dans la galerie qui reliait les deux maisons souterraines, une hirondelle gisait sur le sol, inanimée. « Au moins, elle ne piaillera plus !» lança Monsieur Taupe. Poussette ne dit rien. Mais quand la nuit fut venue, elle se glissa discrètement dans le souterrain. L'oiseau n'était qu'engourdi par le froid et elle le soigna. Au printemps, l'hirondelle était guérie et elle put reprendre son vol dans le ciel lumineux. Un jour, la souris annonça à Poussette « Monsieur Taupe t'épousera à l'automne. Tu dois préparer ton trousseau. » Dès lors, Poussette fila tristement la quenouille. Mais chaque matin, elle se glissait dehors et regardait vers le ciel pour voir si sa chère hirondelle ne revenait pas. Enfin, l'automne arriva et le jour des noces fut fixé. Poussette pleurait. « Ta 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 !» fit la souris. « Monsieur Taupe sera un excellent mari !»
La pauvre enfant voulut dire adieu au beau soleil. Debout près du seuil, elle entendit soudain « Cuivite ! Cuivite ! » C'était l'hirondelle. « Je m'envole pour les pays chauds !» cria l'oiseau. « Veux-tu venir avec moi ?»« Oh oui, j'irai avec toi !» s'exclama Poucette en sautant sur son dos. L'hirondelle s'envola haut dans les airs, avec la petite fille blottie entre ses plumes. Après un long voyage, elles arrivèrent dans un pays chaud. L'hirondelle déposa son amie sur une superbe fleur. « C'est magnifique ici !» dit Poucette en battant des mains. « Oh ! Mais qui es-tu ?» La petite fille venait de remarquer à côté d'elle un petit homme tout de blanc vêtu, avec une belle couronne d'or sur la tête et des ailes transparentes. C'était l'ange de la fleur, qui fut enchanté de sa présence. Il prit sa couronne d'or et la plaça sur la tête de Poucette. « Tu t'appelleras Maya. Tu es si belle. Veux-tu être ma femme ?» demanda-t-il. « Oui !» répondit Poucette en l'embrassant. Dans le ciel, l'hirondelle chantait à tue-tête, ravie de voir sa petite amie enfin heureuse. Maurice et Henri sont devant la mairie. Madame le maire va annoncer le résultat du concours de photos. Mes chers amis, le premier prix ex aequo est attribué à Louisette pour la photo de son petit-fils Victor. Oh, comme il est mignon. Ah, joli. Ah oui, tout à fait. Et à Henri et Maurice pour la photo des bébés chouettes. Ouais. Ah, bravo, bravo Henri, ah. Bravo Maurice aussi. Mes félicitations, Louisette. Et bravo à vous, Henri et merci. Maurice. Bravo. Merci. Oh, bravo Maurice, bravo Henri. Ils sont magnifiques, ces bébés chouettes. Où est-ce que vous les avez trouvés? Je peux les voir? Ah non, ils sont loin d'ici. Hein, Henri? Ils sont loin. Oui, ils sont très, très, très loin. Loin, très loin? Ou très loin, pas trop? Très loin, très, très loin. Oui, très, 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 très loin. Merci de ces précisions, Maurice. Et puis vous aussi, Henri. Hein. Je vous en prie. À toi de chanter. Une dernière chanson avant de se quitter. À vous de chanter tout seul maintenant. À la page 6, vous trouverez les paroles de « Quand j'étais bébé petit ». Vous êtes prêts les amis? Et vous les musiciens? Musique! Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je tirais les poils du chien sans qu'il ne dise rien. Que j'étalais ma purée partout sur la télé. Que je versais mon cacao sur les touches du piano. Que je mettais des petits pois dans la poche à papa. Que je me traînais dans la boue parce que c'était plus doux. Que je me baladais tout nu devant des inconnus. Que je laissais tomber les clés au fond des cabinets. Que je pleurais en pleine nuit pour vous tirer du lit. Que vous m'embrassiez beaucoup malgré tout, malgré tout. Que j'aimerais bien quelquefois retrouver ce temps-là. J'étais si bien contre vous quand j'avais peur du loup. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Petit, tout petit, tout petit, petit, tout petit.
À bientôt, mes amis. Je vous dis à dans 15 jours. Et n'oubliez pas que la vie, c'est chouette.